Nathalie, c'est toujours parmi les quatre dernières équipes, comme on dit. Mais Nathalie, ce n'est plus là où ils étaient en fin de phase aller. Alors, en fait, si vous vous souvenez, sur mon dernier interview par rapport à notre dernier match face à Léopard, nous avions 14 points d'écart par rapport à l'équipe qui était en face devant nous. Donc nous étions derniers avec moins 14 points. Et aujourd'hui, nous sommes derniers avec moins 1 point sur les 3 qui sont devant nous. Donc Nathalie, ça a remonté sa place et il suffit de 3 points pour qu'on se retrouve 15e. Dans nos têtes, le plus dur a été fait. Parce que rattraper 14 points, ce n'était pas si facile. Et aujourd'hui, il faut que les enfants, au contraire, aient la tête sur les épaules, se calmer, gérer au mieux, comme nous l'avions déjà fait avec tout ce qui s'est passé, être capable de réitérer les espoirs que nous avons faits. Il nous reste que 6 journées et nous avons 5 journées à domicile. Donc, comme je l'avais dit, nous allons vendre cher notre peau. Aujourd'hui, la Ligue 1 est une autre chose. Et il fallait un temps d'adaptation par rapport au groupe que nous avions en début de saison. On a ramené pratiquement 75% de l'effectif qui venait de la Ligue 2, des jeunes qui venaient de découvrir le grand championnat, qui ne connaissaient pas les contours et le mental et tout. Donc les petits, au contraire, ça les a servis à s'adapter, à faire des efforts. Et aujourd'hui, ils ont, comme on dit, géré la phase aller. Et aujourd'hui, ils se retrouvent dans la peau des joueurs de Ligue 1. Voilà pourquoi ils arrivent à accrocher même les équipes qui sont en tête de championnat. Et ça se passe très bien, très bien.